Puisqu'on vient de parler de statut de la liberté, de temps en temps, je rends visite au temple de Mitra, qu'il soit en France ou en Allemagne ou n'importe où en Europe. Temple de Mitra, je rends visite aussi à l'Institut de la Liberté. Je garde ma voiture et je descends au pied de l'Institut de la Liberté. Alors cette semaine, j'étais là-bas et j'ai commencé à parler avec mes amis, deux, trois personnes qui étaient avec moi et ma famille, de notre radio. Vous savez, dans les années 1990, exactement c'était 1996, une chose qui même jusqu'avant-hier, 2021, c'est-à-dire après 25 ans. Moi, j'étais étonné. Comment il a fait ça? À l'époque, on a voulu diffuser la radio ici maintenant, à partir de les statuts de la liberté en bas. Vous voyez où est-ce qu'il est ici? Et notre bureau, c'était tour de Seine, peut-être un kilomètre. Alors, Didier Doplège, notre président, je ne sais pas comment, c'était un miracle. Parce qu'aujourd'hui, après 25 ans, quand je pense, quand je réfléchis, je vois ça, c'était impossible. À l'époque, il n'y avait pas de Wi-Fi, mes chers amis. Si c'était Wi-Fi existait, ça facilitait la tâche. Il n'y avait pas de Wi-Fi, tout marchait avec les fils. Alors Didier Doplège, il a acheté plusieurs centaines de mètres de câbles et de la tour de Seine. Je ne sais pas comment il a ramené les câbles jusqu'à les statues de la liberté. Et on a diffusé nos émissions à partir de cet endroit-là. C'est énorme ça. C'est énorme quand je réfléchis maintenant. Comment il a fait Didier? C'était énorme. Un jour lui-même, il va vous donner des explications. C'est des miracles. C'est du travail. C'est faisable. C'est faisable. Mais c'est lui qui l'a fait. Comment? Voilà. On a diffusé pendant quelques jours à partir de l'Institut de la Liberté. À l'époque, j'avais mes gardes de cœur de ministère avec une voiture blindée, les officiers de ministère de l'Intérieur qui me gardaient protection rapprochée. Alors, on rentre à la radio, il faut aller là-bas. Ah bon? Alors, les officiers, ils ont dit, là-bas, c'est difficile, on ne peut pas protéger David là-bas. Mais pourtant, on est allé là-bas, on a fait notre émission là-bas, au pied, et quand il y avait un bateau qui passait, il me couvrait avec les serviettes par balles qu'ils avaient avec eux. C'était une soirée folle. L'humeur du temps, présentée par David Abbassi. En direct sur 95.2 FM, radio ici et maintenant, tous les premiers et derniers samedis du mois. Et vous avez la parole en composant le 08 92 23 95 20.